est sorti du vortex, je pouvais pas filmer à l'intérieur parce qu'il fallait laisser mes portables, chaussures, lunettes de soleil, tout ça. Ce qui est normal, le but c'est de s'alléger, donc autant physiquement que moralement. Donc on a tout laissé et on a fait le petit tour, tout ça. Étonnamment, ça m'a plu. Donc c'était cool. Aussi il y a 5 ans. S'il faut, c'est les mêmes. S'il faut, elles sont toujours pas mortes. voilà. Et aussi, c'est pas le coup. Sur Maker Island. C'était la ref.
Ouais. Oh God. On est sur une petite île très sympathique avec pas mal de monde, pas mal de touristes et une eau super super bleue, genre c'est magnifique. Et on est la moitié à être descendu là sur l'île et puis ils sont partis chercher l'autre moitié. Donc là ils sont en train d'arriver avec le petit bateau parce qu'on était sur un catamaran. On va se poser sûrement ici. Parce que c'était drôle, puisque c'était un catamaran. Jour 7. On va aller à Grand B, tout ça. Et on va faire du shopping et tout. Et après, on va rentrer à l'hôtel et on va sûrement faire du ski nautique. Et après, on va partir à 19h. Oula, je pèle. Ouais, voilà. On est à l'hôtel, on a rangé nos affaires, mais on est dans une seule chambre parce qu'on part ce soir vers 19h et on devait libérer notre chambre, du coup voilà. Et là, on va dire au revoir à des amis qui partent plutôt que nous. Et après, on retournera sur le transat, lire et faire des petits trucs. Voilà. Ça y est, c'est la fin. Là, on va au taxi avec les valises, tout ça. Il fait nuit, il y a des chauves-souris en haut, enfin dans le ciel. C'est super. Bah, c'est toujours aussi joli, mais on doit partir. Là, il est 19h. On prend le minibus parce qu'on est genre 9, un truc comme ça, dans le bus à aller à l'aéroport. Et puis, on va à l'aéroport. Et notre vol est à 23h.